life's a race that I'm gonna win. Yes, I'm gonna win. And I'll light the fuse, and I'll never lose. And I choose to survive, whatever it takes. You won't pull ahead, I'll keep up the pace. And I'll reveal my strength to the whole human race. Yes, I am prepared to stay alive. I won't forgive. Vengeance is mine. And I won't give in, because I choose to thrive. Bon, c'est compliqué ce soir, je pense après une défaite, j'ai préféré quand même parler après une victoire, donc ça a été vraiment pas mal. Je suis désolé pour ça, donc on n'était pas vraiment à la hauteur d'un autre niveau. J'ai quand même passé 4 années formidables, inoubliables ici. Je pense que c'est ma carrière la plus aboutie, donc sportivement, avec cette équipe. Je remercie surtout les joueurs, avant tout les entraîneurs aussi, les dirigeants qui m'ont vraiment bien appuyé ici. Et je me sentais vraiment très très bien pendant 4 années. Je suis désolé encore de ne pas gagner un match avant de partir, mais bon. En tout cas, bon courage à cette équipe, parce qu'ils méritent, c'est du bon gars. Merci beaucoup. Le match d'aujourd'hui, je pense, il y avait pas mal d'émotions, donc il y avait pas mal de sentiments donc avant le match. Je pense que c'était vraiment un match compliqué parce que c'est mon dernier match en France, c'est mon dernier match avec Saint-Raphaël. J'ai passé quand même 4 années magnifiques ici, donc c'était pas aussi évident. Maintenant que la défaite est arrivée, parce que on n'a pas été vraiment au même niveau, donc on n'a pas joué vraiment comme avant. Donc peut-être que le fait de partir, le fait que tous les joueurs ils veulent m'offrir cette victoire, donc ça pesait un petit peu sur le rendement, mais bon, dommage quand même. Et je garde quand même que des bons souvenirs ici. Il y a quand même pas mal de 10 ans de chagrin, donc de vraiment partir d'ici, de partir au cours de la saison comme ça. Mais bon, après, je me suis dit que c'est comme ça, donc c'est le sport, c'est la vie, donc on peut pas rester toute notre vie ici. Donc, mais bon, mais je garderai, comme j'ai dit déjà, des bons souvenirs et ça va me manquer tout ça, c'est sûr. Double casquette ce soir parce qu'on parraine ce match. Je vous remercie en tout cas pour porter nos couleurs, vous les portez bien et portez-les longtemps. Et puis la casquette, ça c'était le concessionnaire Citroën qui parlait, alors je ne vais pas m'appesantir. Par contre, le président du club des partenaires, Ekel, on s'est réunis hier soir ensemble ici dans cette salle, l'ensemble des partenaires, et puis on a discuté de beaucoup de choses, et puis bien sûr on a discuté d'Ekel. On perd un grand joueur.
on perd aussi un grand homme, et je crois que je voudrais être le porte-parole de tous ces gens qui sont ici ce soir. C'est un grand monsieur que l'on perd, et on te regrettera longtemps. J'espère que tu regarderas, comme tu l'as dit, Saint-Raphaël longtemps, de là où tu seras. Et puis moi j'ai pensé à toi parce que je sais que tu vas dans les pays chauds, alors je voudrais te préserver un petit peu ta tête. Voilà. Tu vas revoir à ça, c'est la casquette de Sébastien Loeb signée pour toi. Voilà, bravo. Bravo, merci pour tout. Merci. Oui, alors, ça il me fait le coup parce que les cœurs roulent en Citroën. Elle n'est pas à lui, elle est à nous. Bon bref, non, tu me la rends juste avant de partir, t'es gentil. Parce qu'elle n'est pas équipée pour le sable du Sahara, donc tu me la rendras avant. Au revoir, Bislema. Bislema.